Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on a fait les Cyber Monday. Et du coup, bah, comme pour les Black Friday, Léane a fait sa petite sélection. Donc oui, je parle que de Léane parce que encore une fois, je ne vais pas défiler dans cette vidéo et ce sera uniquement Léane. Parce que encore une fois, j'avais pas du tout d'idée. Il faut savoir que la campagne des Black Friday et Cyber Monday avec Shein, elle se rapprochait vraiment énormément. Donc bah, c'était dans la même période, donc j'avais pas d'idée pour les deux. Donc ça va être que Léane qui a fait sa sélection avec notre mère, encore une fois, elles ont choisi à deux. Et du coup, sans plus tarder, on va pouvoir passer à la première tenue. Alors, pour la première tenue, donc là, ça va être sous deux défilés d'affilée. tu commences par montrer le premier haut. Ouais, un petit haut noir comme ça. On dirait encore un truc de pingouin, mais c'est lui qui a pas de manche. Léane adore les trucs de pingouin. Oui. Je comprends pas pourquoi il y a un col roulé et pas de manche, mais pour on va essayer justement. Ouais, il n'y a pas de logique, mais on adore quand il n'y a pas de logique. Donc voilà. Sinon, il y a un autre pull comme ça, col roulé blanc. Avec un pantalon en cuir rouge. Il a l'air fin quand même. Ouais, c'est ce que je me disais, mais on verra ce que ça donne. Et des petites bottines noires comme ça. Enfin, non, plutôt que ça des bottines, non, en fait. Si, 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 oui. Pas des grandes bottines alors. Parce que c'est un peu grand pour des bottines, je crois. Ouais, mais ça reste des bottines quand même, mais oui. Du coup, oui, ayez l'œil parce que, du coup, vu qu'il va y avoir deux défilés d'affilée, ouais, ça se ressemble comme mot. Bah, du coup, c'est juste le haut qui va changer, mais elle gardera. Même les chaussures, tu les gardes, c'est ça? Ouais. Ok, elle garde le pantalon et les chaussures. Parce qu'en fait, bah, forcément, il y a des bas, des chaussures et des hauts dans cette vidéo, et on essaye d'accorder un peu ce qui va le mieux ensemble. Donc là, ces deux hauts-là, elle est avec le pantalon, donc on s'est dit voilà. Du coup, tu vas pas refaire tes défilés. Alors voilà, du coup, pour les deux premiers défilés, qu'est-ce que t'as pensé de tes hauts déjà? Bah, le premier haut il est à l'aise, mais juste au niveau du col roulé ça sert quoi. Ouais. Mais je comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas de manche. Moi non plus. Et celui-là, bah, c'est classique, un bon petit haut d'hiver. Ouais. Bah, il est à l'aise quoi. Un peu comme moi j'ai en ce moment. Pour une fois, j'ai mis un pull avec un petit col roulé, c'est pas mon genre, mais. Ouais, j'avais même pas remarqué. Ouais, t'as vu? Du coup après il y avait le pantalon cuir Ouais en vrai il est à l'aise mais c'est rare que j'achète des pantalons qui soient en jean ou en cuir. Ouais c'est vrai que c'est rare que Léane mette des pantalons comme ça donc ça changeait. Et sinon pour les bottines? Bah les bottines elles sont classe. Oui bah, je pense que j'avais pas de chaussettes, c'était un peu grand mais non sinon elles sont bien. Ok. Il les laissait pendant 3 vêtements. Ouais là vous allez voir elle va encore les remettre. Sinon, je sais pas si vous avez remarqué pendant les deux défilés, mais au premier défilé avec le haut noir, le pantalon a été mis dans les chaussures pour que vous voyez mieux les bottines et l'outfit complet. Et au deuxième défilé, si vous avez eu l'œil, là le pantalon il était mis au-dessus des chaussures pour changer un peu. Bah ça change quoi, je trouve que les deux ça va bien, donc voilà. Sur ce... Là tu vas encore faire deux défilés? Ouais. Parce que je vois, parce que je vois deux pulls donc... Moi je remarque que maman s'est amusée avec les cols roulés vraiment. Oui, notre mère adore ça. Je crois que si elle ferait un shopping pour elle, en fait il y aurait que des cols roulés. C'est sûr. Et du coup... Bah du coup il y a deux pulls cols roulés comme ça, bordeaux et une sorte de marron beige. Ouais. Avec une jupe. Ouais, une petite jupe noire comme ça. Voilà, et du coup avec les mêmes bottines, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme outfit, c'est parti.
Voilà du coup pour ces deux défilés, qu'est-ce que t'as pensé de tes pulls déjà ? Bah les deux en vrai bah c'est pareil, des pulls col roulé, mais les couleurs elles sont très belles je trouve. Ouais, moi personnellement je vais donner un petit avis perso, je préfère celui-là, enfin cette couleur-là, que le bordeaux, parce que je vous avoue que au premier défilé, quand je l'ai vu avec le haut bordeaux, j'étais vraiment mitigée, je me disais bof. Mais d'un autre côté vous avez notre mère qui elle aime tout, elle c'était j'adore le bordeaux aussi. Du coup ça nous intéresserait de savoir vous ce que vous en pensez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous préférez, ce que vous avez préféré entre les deux couleurs, parce qu'on aime bien un peu vous poser des questions et savoir un peu vos avis aussi. Voilà, et juste la jupe, j'allais oublier d'en parler parce que j'étais focus sur les hauts. Ouais, tiens. Bah pareil, elle est à l'aise mais elle est un peu longue. Genre ça aurait été mieux que le court. Ouais c'est vrai, je suis d'accord aussi. J'aime bien aussi le plus court, donc après chacun ses goûts, encore une fois. Et sur ce, alors là, j'allais pas montrer, j'avais juste même pas cru la mettre. Ça y est, c'est parti, on défile. Bah c'est une petite robe rouge comme ça. Ah, elle est cool hein. Ouais. Et du coup toujours avec les bottines. Pour l'instant tu les gardes encore pour la prochaine aussi, c'est ça? Ouais. Et vous allez avoir une overdose de ces bottines, mais bon, c'est pas grave. Allez, let's go. Alors voilà du coup pour le défilé avec cette jolie robe rouge, qu'est-ce que t'en penses ? Bah elle est simple mais belle, puis elle est grave confortable. Ah bon bah tant mieux si déjà le confort c'est bien. Et ouais c'est sûr elle est simple mais je la trouve mignonne. Ça fait petite robe patineuse donc c'est cool. Et sur ce c'est une autre robe que tu vas nous montrer. Oh j'avais pas vu que c'était fendu ici. Ah moi non sur plus. Côté, il y a un trou. Le petit détail qui parfois fait tout. Bah j'ai très hâte de voir ça, let's go. Alors voilà pour le défilé avec cette robe, qu'est-ce que tu en as pensé ? Bah en fait la robe elle est belle et tout, même la fonce. En vrai là ça va, je me suis habituée, mais quand je l'ai mis on aurait dit de la paille la matière. De la paille ? Oui, c'est tout sauf doux. Ok, moi j'ai un peu touché, bon j'ai déjà eu cette sorte de matière, mais de là à dire de la paille, je ne savais pas, ok. Bon, moi en tout cas je la trouve très jolie, après du coup portée, je ne sais pas pour le confort, mais en tout cas je la trouve très classe. En tout cas là, j'espère que vous n'avez pas trop eu une overdose de bottines et que vous les avez bien vues, parce que là, elle a enfin changé de chaussures. D'ailleurs tu vas pouvoir nous montrer ton prochain outfit. Oui. Encore un peu col roulé, un peu plus marron cette fois-ci. Ouais. Et avec une jupe comme ça, je pense qu'on peut la remonter. C'est bien ça. Ouais, et du coup, des bottes comme ça, avec un la grosseur du talon. Oh, wow. Normalement, là, il n'y aura pas trop de soucis pour marcher, j'espère. Ouais. Parce que c'est bien épais. Par contre, elles sont super belles, donc j'ai trop hâte de... que tu les mettes. Et bah, c'est parti, du coup. Old walls that I built for you, just to dig me out with silver spoons. No, I didn't see it coming. Oh. Old walls that I'm stuck inside, I guess beauty sees what I can't find. I didn't, no I didn't see it coming. Well I got your code and I got your message, I want you to know. Alors voilà pour cette tenue, qu'est-ce que t'en penses? J'ai oublié, c'est le haut. Oui, c'est le haut en fait. C'est le tout, oui. Bah le haut comme les autres, y a pas grand chose à dire.
Ouais, bah ouais, parce que c'est la couleur est belle. Comme les autres en fait, donc c'est juste la couleur qui a changé. Mais... ouais. La jupe en vrai elle est belle, mais c'est un micmac. Parfois tu tires, qu'il y a des coutures partout, je comprends rien quoi. Ok. Et pour les bottes, bah en soi elles sont belles, mais elles tombent un peu trop. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Je sais pas si vous avez remarqué pendant le défilé, mais bon, je crois pas que c'est censé être des bottes chaussettes, mais je pense que ça aurait été mieux si c'était des bottes chaussettes justement, parce que là en plus elles avaient l'air de pas mal glisser. Sur ce, tu vas pouvoir passer à ta prochaine tenue qui est une robe, parce que je vois juste trop belle. Ouais, avec une manche comme ça. Waouh. J'aime trop les robes avec une manche. Ouais, les pulls. Ouais. Trop trop belle, franchement, j'ai hâte de l'avoir portée, donc c'est parti. Alors voilà pour le défilé avec cette robe, qu'est-ce que t'en penses? Bah elle est grave canon, vraiment, en plus on n'avait même pas remarqué que c'était fendu à la manche comme ça. Ouais, c'est ça, c'est bah vous avez dû le voir, mais ce détail là, on n'avait pas remarqué toutes les deux et je me suis dit, déjà je l'ai trouvée belle, mais quand j'ai vu ça, je l'ai trouvée encore plus belle, je suis fan. Bon, du coup oui, vous avez dû voir, elle a gardé les bottes avec. Et sur ce, là, c'est le dernier outfit. Ouais. Encore une robe rouge comme ça. Et là, on change de chaussures pour finir. Pas les mêmes bottines qu'il y avait en noir, mais en rouge du coup. Elles sont aussi belles en noir qu'en rouge. J'adore. Du coup, bah, c'est parti. Alors voilà pour la dernière tenue. Qu'est-ce que t'as pensé de la tenue complète? Bah la robe elle est géniale. Genre il y a tout qui va, déjà elle est magnifique même si elle est simple. Franchement elle est hyper belle. Mmh. Et la matière sur l'extérieur ou l'intérieur. Dommage ils peuvent pas toucher parce que c'est hyper doux. Ouais. Franchement ouais, elle a voulu que je touche aussi pour voir la matière. C'est hyper lisse, doux et tout. Franchement elle a l'air hyper confortable. Et les bottines, c'est les mêmes que les noires mais en rouge. Du coup, pareil. Elles sont grave à l'aise, elles sont hyper belles. Ouais, franchement canon. J'adore aussi. J'ai adoré cette dernière tenue. Enfin, moi j'ai presque tout aimé, sauf je pense le haut bordeaux. J'étais vraiment mitigée. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire vous ce que vous avez préféré comme tenue. Aujourd'hui, on a envie de vous faire participer, je crois, parce que je vous pose beaucoup de questions. Parce qu'il y a aussi, je voudrais savoir ce que vous préférez. Je sais pas si vous avez remarqué dans cette vidéo, on a eu des outfits qui étaient noirs et rouges. On a eu tout noir et tout rouge. Qu'est-ce que vous préférez entre ces trois là, n'hésitez pas. Nous on va lire, bah, comme d'habitude on lit toujours tous les commentaires, mais là au moins on va pouvoir un peu voir tous vos avis, puisque du coup vu que chacun a des goûts différents, on va pouvoir voir tout ce que vous préférez. Sur ce, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que vous allez bien pouvoir profiter des Cyber Monday. Bah, n'hésitez pas à faire votre petit shopping, faut en profiter. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et vous pouvez partager notre chaîne sur vos réseaux sociaux. À bientôt!